Stigman Shining Show, côté que chaque samedi, dans le ça, nous toujours venir parler de un artiste qu'on connaît déjà, ou du moins d'un artiste que pas qu'on connaît, que nous-mêmes n'a fort découvert, et n'a pas l'eau de vie, de carrière professionnelle, de vie privée, tout ça que lui-même n'y a entreprendre. Et je dis là, nous allons faire un petit parler sur un artiste que nous très apprécié. C'est un artiste qui est populaire en Haïti. C'est un jeune artiste. C'est une fille. Ok? C'est une fille. Et on ne peut pas dire qui est artiste, même parce que Dalens lui-même a fait nous découvrir qui est artiste lié parce que Dalens a passé l'image là pour nous. Kounia là. So, Dalens fait mon yo découvrir de qui artiste je dis nous-mêmes nous parler de lui. Bon, c'est que là, on a regardé qui artiste. C'est un artiste que nous aimons un peu. Ok. Je dis là, nous allons faire un petit parler de Richel Guillaume. J'en ai regardé dans Flyers, j'en ai regardé dans l'image là parce que, pas oublier que je dis, c'est Dalens qui a assuré petite technique là pour nous. C'est Dalens qui a fait nous faire une belle live. Je dis à ma fois aussi parler de Richel Guillaume. Richel Guillaume, que nous connaissons, qui c'est un talent confirmé, qui c'est une fille, et qui est plus populaire dans HMI, là, qui c'est une fille tout, qui gagne un pile exploit. C'est une fille tout, et on peut parler sur réseau, on peut passer sur réseau pour parler au moins une photo, soit des commentaires qui positifs, soit des commentaires tout qui négatifs. Mais, c'est qui est lié, qui ça, Richel a réglé, et qui type de monde que lié, qui ça, depuis qu'il a commencé avec carrière, et est-ce que dans le moment où Richel a mon avis, tout ça, là, nous allons répondre dans live ça. Richel Guillaume, lié fait le 28 juillet 1989 à Port-au-Prince, donc de 1989 à 2002, ça, 2022, ça va exactement 33 ans, so, c'est un jeune artiste de 33 ans qui fait à Port-au-Prince. Richel Guillaume, c'est fille unique et pas de famille, il gagne environ trois grands frères, il gagne. Maman Richel sorti en Savo et puis papa Richel sorti au Caï. Et n'a pas rappelé nous que tout, n'a pas connu tout que papa Richel c'est un pasteur. Richel grandit dans un cercle ou encore dans un milieu évangélique ou encore dans un milieu religieux. Il commençait carrière musicale, il aussi commençait chanter à l'âge de 5 ans. À l'église de Dieu, Boulard dirigé par le pasteur Louis Destinal. So, à l'âge de 11 ans, il commençait à chanter notre premier choral qui était relayé Cosmic Peace Master. C'est notre premier choral qui commençait à chanter à l'âge de 11 ans. Et il a continué en 2007 avec même enthousiasme à Richel Vin intégré au groupe qui relayait. Qui c'est un groupe qui fait uniquement pour musiciens ou encore jeunes artistes dans l'école des notes. Et puis, à part de ça, Richel, et nous connaissons, un peu là, nous connaissons comme étant un artiste, mais Richel, t'es école et t'es et notes, pas des notes et en même temps tout, l'idée ENS, l'idée apprendre philosophie. So, Richel, c'est un professeur, t'es un professeur de grammaire et de philosophie. À Collège Bird. Donc, nous pas Richel pas seulement un artiste, Richel pas seulement et pas seulement une compositrice, Richel tout t'es professeur de grammaire et de philosophie à Collège Bird. Richel c'est un artiste confirmé, mais qui bon carrière il commencé, qui genre ça t'est débuté, qui genre ça t'est fini. Richel pas chaque monde a un début. Mais juste avant que Libra, tout élan ça que Libra, il a commencé à faire des coopérations petit petit avec Doc Fila. Il commençait à faire des coopérations tout avec Dead Crazy, avec et Pierre encore. Il commençait à faire tout. Il sortit équipe. Équipe musique qui relaie Trèfle pour Harmonie, Fok Mwen Fete, Lumière Rouge,
Donc, depuis bien avant, il commençait à faire des collaborations. Mais officiellement, Libral débuté, c'est grâce avec musique qui relaie. Merci, Tichéri Doudou, qui l'était fait en duo avec BIC, connu, plus connu sur le nom de BIC, mais côté que vraiment BIC, c'est Roosevelt Sayan. Donc, c'est à partir de musique ça, que au monde va commencer découvrir qui est qui Richel. On nous connaît qui j'en barre là en Haïti. Donc solo font musique ouais musique là commencer marcher. Donc faut que tout grand l'autre qui là pour capable moun yo pour capable rester dans mémoire yo parce que haïtien c'est moun qui oublie moun bien rapide. Donc automatiquement qu'elle te fin sorti musique là avec et BIC, merci ti chéri doudou. En 2012, Libralvin intégré et équipe de production Yol De Rose que tout le monde connaît. Yol De Rose c'est une dame qui c'est un mentor, OK, c'est un mentor, son pilier dans musique haïtienne là, OK. Libralvin entré dans équipe production Yol De Rose pour le projet Haïti cœur de femme. Qui t'est regroupé en pile artiste, Yemil Michel, Mkwete Ketamara Suffren, Annie, et tant d'autres artistes qui t'est gagné. Donc, c'est là qu'en 2012, que Richel a intégré l'équipe là. Et puis, en 2014, Libral sorti musique qui t'est venu bal en pile popularité, qui s'est quitté crié, qui t'est sorti avec toute vidéo. En 2014, le lit sorti. Musique qui t'aime créer, tout le monde commence à connaître qui est ce qui Richel, yo commence à regarder et à regarder œuvre, yo la reconnaît parce que lorsque son musique et musique l'arrive sous moun yo aime musique là, il obligé tourner sous passé ou du moins connait qui est souyé qui ça va régler, qui ça t'ai fait déjà. Donc en 2014, il sorti qui t'aime créer, qui son musique jusqu'à présent moun toujours aimé, qui son musique tout et qui a fait chimel, donc gen moun ki toujours ap tande musique là, gen moun ki toujours reme musique là. Donc sorti de 2000 de ki t'aime crier en 2014, c'est dans même année ça Richel t'apral sorti un album qui relé émotion. Donc premier album Richel sorti, il sorti en 2014 qui c'est album émotion. Là on tande Richel k'ap parler, Richel fait nous connaître que album émotion c'est album qui permet li c'est album qui permet li moun yo konnen ki est lié kon talent, OK, c'est album ça qui permet moun yo konnen talent Richel genye. Mais à part de album nan ke l sorti, Richel chargé collaboration qui t'ai fait en pile hit. N'a rappelé tout que li t'ai genye et en musique pas même yon musique n'importe deux musiques avec Fantôme, OK, qui t'ai sorti avec toute vidéo clip, OK, et musique ça yo tout c'est des méga hit que yoyé. Musique ça yo c'est sont des musiques qui permettent tout moun vin ap apprendre apprécier talent Richel. Mais après ça Richel pas seulement gen un seul album qui relé émotion, Richel gen un autre album que il était relé rebelle. Album rebelle là lui-même il gen tout une histoire que nous pas vraiment rete sous lui parce que histoire là lui-même il est longue. Mais album rebelle là que li sorti que c'est deuxième album que Richel sorti. Pour ba li di nou sou album nan, c'est album ça qui fait moun yo accepter talent, c'est album ça tout qui fait que jounen jodi li capable moun niye a parce que album ça li tire en pile le salon et musique yo tout, musique qui sou album yo te montre qui est lié et qui ça li passé. Et n'a tourné sous ça après, mais nan album et rebelle là non en sorti l'idée dit comme ça que l'a cherché un nom pour li capable bay album nan. Et puis par rapport avec parcours que t'ai gagné que n'a pas mis sous li tout à l'heure, par rapport avec péripéties que le passé, par rapport avec difficulté que lui même il était rencontré sous chimel, il a choisi le rebelle sous scène et donc que il a le rebelle, eh bien l'idée dit que pas gay puis bon non que le kabay deuxième album ni que rebelle et que c'est non ça jusqu'à présent yo toujours kebe pour diva parce que c'est le nom ça que Richel gagne sur réseau a soit le diva soit le rebelle. Mais ça va camper là n'a pas songé tout Richel et
li gen plusieurs collaborations j'aime t'a dit nous avec Fantôme, li gen collaboration avec Djibit, li gen plusieurs collaborations et li fait connait tout, li c'est artiste fi qui gagne plus collaboration dans HMI là. Il dit que le soir mon nous prend, gardez qui quantité collaboration que yo gagne et puis moi-même vinn garder qui quantité collaboration que me gagne, il dit moi c'est une artiste qui gagne plus collaboration dans HMI là. Il vient sortir troisième album ni en 2021 qui relait quoi qu'il advienne ou encore QQA ou encore QQA. Qui c'est à troisième album que Witchell sorti, album ça qui fait pas l'empile et album ça tout que moun yo di gen moun qui fait buzz pour album n'a pas marché. N'a pas rappelé tout album ça, il était disponible en pré-order juste c'est-à-dire que avant que album nan ni même li sorti, so gen moun qui te getan acheté album nan mete la donc ou paye pour album nan et puis automatiquement que le sorti, so album ou ap nan men. Mais kounya ça fait qui ça? Ça fait de Witchell une artiste fi qui gagne plus popularité. C'est une artiste fi qui gagne plus visibilité. C'est une artiste fi tout et qui passe en pile péripétie, qui passe en pile et qui passe pas en pile le même peuple haïtien parce que nous connaissons qui Jean Haïti. Witchell Guillaume, c'est premier artiste haïtien encore premier artiste fi qui gagne 1 million abonnés sur Instagram. Parce que et son matin nous lever et puis nous voit que Witchell qui a premier sié followers li sur Instagram parce que il gagne 1 million abonnés. Moi pas dit que c'est premier artiste haïtien mais c'est premier artiste comme si haïtien qui a évolué en Haïti qui gagne 1 million abonnés sur Instagram. En plus que c'est premier artiste fille qui gagne 1 million abonnés sur Instagram, c'est premier artiste haïtien qui a vivre ou encore qui a évolué en Haïti qui gagne 1 million abonnés et tout de suite après il va gagner 1 million sur Facebook tout. Et Witchell Guillaume de côté nan vie sentimentale li et n'a connait que Witchell t'est marié en époque avec et monsieur Walnier Registre côté que li monsieur Walnier Registre qui c'est band leader groupe REL que me dit nous que t'est là dedans qui c'est un groupe qui t'est dans Inots. Li te marié avec monsieur ça, li te gagné un petit ensemble avec qui relé Ruth Wally Registre. Et puis le monde s'est venu divorcer donc Witchell du côté vie sentimentale Witchell qui était marié il y a un petit jusqu'à maintenant et c'est seul petit que Witchell gagne mais s'il gagne nous pas connaît mais selon lui-même d'après ça dit nous c'est s'il gagne une petite fille qui relé Ruth Wally plus connue sous le nom de Wawa. Donc, souvent nous avons Witchell qui a parlé de Wawa, il gagne une vidéo ensemble avec vidéo Noël là. OK que n'a regardé Wawa dans vidéo wa. Tout de suite après Witchell t'est avec notre fameux Woody Woodboy. Donc c'est une relation qui est connue que Witchell que il était affiché dans sa Marvel et que relation ça lui-même il était vinn craser et selon les rumeurs parce que on bat là moi pas acteur pas actrice et relation hein? Et selon rumeur qui gagne relation est écrasée à cause de infidélité donc c'est ça ou dit et donc il était avec et le chanteur Woody Woodboy qui c'est une grande artiste que Etienne a tout lui-même li gagne et puis tout de suite après Witchell et t'es gagné plusieurs paroles qu'a parlé sur lui, il était fiancé tout, puis on regarde des photos lui avec monsieur qui était fiancé. Parfois tout Witchell il était fait connaître tout libre marié avec Anthony Joe, bien que ça c'était un buzz, OK parce que et pense que dans prochaine émission que n'a bien d'assurer parler de Anthony. À ce qu'il paraît ou encore selon ça on dit Anthony c'est Massissi. Ou encore ça relégué ou encore homosexuel là. Donc pas de possibilité pour Anthony avec Witchell de gagner une relation ensemble. Mais à partir de ça, Witchell, est-ce que c'est seulement dans la musique que lié? Nous sommes dans le commencement, nous connaissons que Witchell et c'est Witchell
qui est professeur de grammaire et de philosophie à Collège Bird. Rachel, qui est une chanteuse, qui est une compositrice, tout. Mais Rachel, tout, c'est un entrepreneur, ou encore, c'est appelé une businesswoman. Donc, Rachel a une propre collection et bikini que l'a gardé et là, ok, qui c'est un bikini que l'été même que l'été créé. Et puis l'été gagné tout en collection de sacs à main qui ok que l'été relé RG collection ou encore RG collection. Donc Rachel pas seulement un artiste, Rachel pas seulement un professeur de grammaire ou encore un professeur de philosophie, Rachel si on entrepreneur parce que jusqu'à présent Rachel gagné et collection là dans moment qu'a marché et me songer dans fin année 2020 je crois 2020 2021 je me souviens plus, il était gagné un marque de soins de beauté tout OK, donc il était commencé à vendre un tas de bagages de des produits cosmétiques, des soins pour le visage, des soins de beauté que lui-même tout il t'a gagné. Rachel et c'est une artiste tout qui gagne en Haïti qui passe en pile. Ça veut dire qui ça? Il dit qu'on va tourner sur ça. Rachel n'a pas songé à une époque et époque que il était fin qui était avec Woody Woodboy, époque que le t'a affiché sur réseau côté que il prend bâton et que Woody était calé à ce qu'il paraît. Donc c'est pas sûrement c'est pas moi qui a fait nouvelle, c'est nouvelle que me vient bail ici hein, donc ça va pas dire que c'est Kimberly qui dit. Rachel, na époque ça, époque que li fin sorti musique spéciale avec Woody Woodboy, OK, qui tombé gaïd. Rachel te vin quitter avec Woody, parole la te prend la rue, parole la te prend réseau. On t'a regardé que à s'il paraît Rachel te trompé Woody et ça fait que li qui ont été battus au jeu et ça fait que relation lui-même li écrasé. Bon, nous pas gain preuve pour ça, mais c'est ça Woody. Et n'a regardé à époque na époque ça Rachel c'était une artiste qui pas de droit à la parole sous réseau. Rachel pas de gagner et Rachel pas de gagner possibilité pour te dire quoi que ce soit. Na époque ça n'importe ça Rachel poste, n'importe ça Rachel dit, n'importe si vidéo Rachel paraît la donne, c'était chargé. N'importe côté on moun wè Rachel et yo traité le tout non yo te konn dil yo rile le bousien ça si qui son langage et qui très familier que en pile haïtien remé di moun et puis Rachel tout nan yon époque là depuis li font poste tout moun a di oh Rachel ceci Rachel cela bas. Donc nan époque là Rachel pa ki droit à la parole et plus tard li ta pral vin sorti on note ou encore yon tweet sur Twitter quand elle dit que lui-même il pas dans deal avec Haïti encore parce que à tel point que il y a un bal problème il dès qu'on appelle senti que il pas à la hauteur côté que tout le monde était qu'on a prêté de tout non Rachel te fait connaître que il pas dans deal avec Haïti encore donc il était prend retrait il était retiré en vertical en fait il était retiré sous marché Jean que il était présent mais pas présent encore. Nous avons dit tout que Rachel c'est une artiste qui gagne le courage. C'est une artiste qui pas peur de ça mon a dit. Et n'a regardé tout à travers travail à travers de effort que il fait, n'a si n'a bien regardé Rachel que tu connais dans année précédente yo, c'est pas lui même nous gagné là journée jodi a. Rachel que nous te connaît qui t'a répondre avec conseil de commentaires, Rachel que comme si que te connaît non t'a pélicité tout partout. C'est pas Rachel ça que nous gagné journée jodi a. Journée jodi a nous gagné ça relé yon diva et nous gagné un jeune artiste qui a fait non côté tout côté le passé, c'est un jeune artiste qui a travaillé chaque jour d'arrache-pied pour être capable porter et bon puis bon musique pour nous rapporter puis bel message pour nous. Rachel tout c'est une artiste qui gagne qui nominé en pile n'a songé que il prend un titre en Afrique et dans moment là Rachel nominé dans NRG awards anti côté que ou même qui peut qu'al voter mais qui a prendre ça tout ou gagne possibilité pour al voter Rachel parce que il s'est fierté nous OK.
Nous pas de problème on moun ka toujours des problèmes ensemble avec ou ka toujours des problèmes avec ça que l'a réglé mais ça qui sûr ça qui certain ou pour Rachel pour nous ou encore c'est divan parce que c'est comme ça nous relé sur réseau et une bagaille comme si qui intéressant ou encore une poste qu'il t'ai fait qui t'ai marqué l'idée est participer dans une interview avec un média en ligne et puis on te dit Rachel pour qui ça ou par aimé fait collaboration avec artiste et avec artiste fille pareil ou pour qui ça s'est passé Rachel va connaître que Rachel qui la journée aujourd'hui c'est pas un Rachel PI qui donc il pas qu'à lever un matin il fait collaboration avec un monde pour une collaboration fait si avec c'est avec manager pour nous parler pour une collaboration en fait c'est avec staff management pour nous parler et il fait énorme époque ça tout il fait qu'on est que lycée artiste qui gagne plus collaboration dans HMI là et si n'a regardé il gagne collaboration avec JB si d'ailleurs il fait sortir en musique là avec Gabel OK qui nous peut comparer donc c'est en belle musique que moi conseille nous à regarder à l'enjoy parce que c'est artiste pas nous lié il y a une collaboration avec Medji il y a une collaboration avec Baki il y a une collaboration avec Phantom il y a une collaboration avec des majorité artistes haïtiens qui gagne et il y en a comme si qui fait pour Rachel c'est parce que chaque artiste qui a venu chaque artiste fille qui a venu c'est un coup au monde qui sont qui n'ont sommet et puis chaque grand monde qui a fini chaque grand monde qui a fait un travail donc tout pour admettre que ou sont vrais artistes pour nous admettre que ou sont artistes qui a fait pile effort il est obligé comparer avec Rachel ça qui très présent sur réseau on a songé que année dernière fin 2021 décembre 2021 pour t'es gros duel sur les réseaux soit Rachel face à Beijing qui est-ce qui pique artiste qui est-ce qui pique chanté qui est-ce qui pique dope sous scène qui est-ce qui a plus popularité qui est musique qui fait plus hit tout ça et il t'a parlé il t'a dit comme ça que c'est parce que son travail m'a fait qui est important c'est parce que moi c'est un grand artiste qui fait que à chaque fois que on monde vini à chaque fois que on jeune artiste a monté et que c'est avec que il a comparé il dit que nous sont il dit que il songe époque que t'a fait qu'a vini il était qu'on comparer avec Emine Michel donc c'est dans moment là on capable dire ça selon statistique qui gagne de 2013 à nos jours de 2014 à nos jours Rachel c'est artiste fille qui plus populaire dans HMI là. Rachel Guillaume c'est artiste tout qui passe plus en bas peuple haïtien. On connaît que nous pas d'accord avec samedi a. On connaît que nous va dire que c'est fanatique qu'a parlé, mais dans Shining Show nous-même nous vienne by vérité à Jean-Lia, nous pas dans série crasse. Donc Rachel c'est une jeune artiste qui gagne qui plus populaire. Rachel tout c'est une jeune artiste qui gagne qui plus talentueux. M'a dit en fait c'est une là d'ailleurs parce que chargé l'autre jeune artiste qui est talentueux autant qu'elle mais jusqu'à présent li fait non li au sommet et si n'a regardé Rachel que t'a gagné avant et pas même nous gagné kounya vidéo ou encore type de musique que t'a fait avant c'est pas type de musique ça que li gagné kounya collaboration que t'a gagné avant tout c'est pas eux même li gagné Kounia. So elle a fait beaucoup d'efforts, elle travaille en pile et c'était un honneur pour nous parler de Rachel Guillaume qui c'est un jeune artiste. Au cas où tu as aimé nous présenter un autre jeune artiste ou encore un artiste confirmé et ou juste écrit dans commentaire là ou quitter pour nous et puis nous-mêmes n'a satisfait désir. C'était avec vous même Falaise Kimberly Bianca, présentatrice Shining Show et des deuxième sortie rubrique des artistes. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre émission Shining Show. Je vous dis au revoir et à bientôt. Et juste avant que nous finissions, n'a profité saluer quelques amis qui en bas live là et n'a dit merci avec Dalins qui a fait un gros bout de travail dans le studio. Merci avec Carl Sintil, merci avec Shirlins Boiron, merci avec Blondine Joseph, merci avec Julien
Julien Marvins, qui c'est et ami nous depuis longtemps sans travail. Et merci tout avec Léo Isaac, merci avec Safira et Lucie, les deux amis de Shining Show. Merci avec Chak Greenwood, merci avec Oldie, merci avec Ephraim, merci avec Daniel, merci tout avec et Mouyo tellement pile parce que m'pa vle gagner jalousie qui fait sous page là. Merci avec Kendi. Kendi qui c'est un collaborateur, qui c'est un collègue et Fernando Live. Merci avec Stéphane. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci avec chaque grand monde qui était poste pour nous. Merci avec chaque grand monde qui était en bas live là. Merci avec Kevin et Chai. Merci. Nous, moi, remets nous en pile. Rendez-vous cassé pour mercredi prochain pour l'émission Shining Show. Wilja, Noël. Bye bye, bye bye, bye bye. Enjoy, enjoy weekend.